Pif et Hercule. Ont la formule pour être des copains. Dans une île au trésor ou sous un réverbère qui soulève un nuage de poussière. C'est bien délicat quand on est chien de supporter les chats. Oh, Pif et Hercule, deux drôles de rigolos qui démantibulent les fusées des pianos en tournant tout autour de la terre. Mettre le monde à l'envers. Pif et Hercule, on la formule pour partir vers de nouvelles aventures. Pif. Spécialiste en dynamite en recherche. Cadre dynamique en vue. Situation explosive. Ouais. On demande un capitaine au long cours. Voyons un peu plus loin. On recherche un berger allemand. Ah ben, je parle pas allemand, moi. Mais quand je pense que ce cabot est en train de chercher du travail, mais c'est tout ce qu'il y a de plus dangereux. Mais est-ce que j'en cherche, moi? Allez, encore un peu, allez, encore un tout petit peu. Ça fait boum sur la truffe, madame, hein. On lui avait rien demandé à celui-là non plus. Oh, remarque, dis donc, hey, c'est peut-être pas mal de se faire saluer par les lampadaires. Ah, c'est toi? Eh ben, si tu veux un conseil, Hercule, tu devrais regarder devant toi quand tu marches dans la rue. Hors de ma vue. Non. N'importe quel imbécile doit te remplacer. Je m'en vais, capitaine. Mais vous me regretterez. Vous allez être tout seul maintenant. Tiens, toi, par exemple. Qui ça? Moi? Bah, qui tu veux que ce soit? Le capitaine a bien dit qu'il cherchait un imbécile. Ah oui, c'est vrai, oui. Alors, j'attends. Oui, tout de suite, mon capitaine. À vos ordres, capitaine. Vous cherchez un imbécile? Vous en avez trouvé un, mon capitaine. Je vois. Vous êtes embauchés. Rassemblement dans la cour dans 15 minutes pour la revue de détail. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, capitaine Farfouille. Je vais aller offrir mes talents à quelqu'un qui saura les apprécier. Le casque. Astiqué, mon capitaine. Les bottes. Ciré, mon capitaine. C'est louche, ça. Mais prenez garde, je vous ai à l'œil, mes gaillards. Ah, le ceinturon. Bouclez, mon capitaine. Cette fois, je vous tiens, mes gaillards, hein? Là! Qu'est-ce que vous en dites, mes gaillards? Je m'en doutais, mais j'en ai dressé d'autres, et des plus coriaces encore! Alors? Dans une toute petite poussière, de rien du tout, Une poussière! Nettoyage général! Détachez que ça brille, mes gaillards! Sinon, crac! Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mon capitaine. Exécution. Oui. Nettoyage général, mon gaillard, et tâche que ça brille, sinon... Au travail, frignol, ça saute. Top. Mais non, petit. Déguisés comme nous sommes, et en jouant habilement avec ça... Ils n'y verront que du feu. Et alors, à nous les diamants? Oh, patron. Oh, vous êtes génial. Hey, Pif, passe-moi l'éponge, s'il te plaît. Mais passe-moi l'éponge, enfin. Voilà. Hey, mais non, mais tu peux pas faire attention, non? Non, tu vas pas faire une maladie pour ça, non? Oh. Pour un peu de mousse. Qui a dit que les chats... n'aimait pas le... Mon capitaine. Dépêchez-vous, chez M.
monsieur Groslou. Ne vous inquiétez pas, mon capitaine. Nous y serons en moins de 3 minutes. 3 minutes? Bon, non, mais tu plaisantes. Il faut au moins 10 minutes. Mon pauvre Hercule, tu n'as vraiment pas idée du temps. Ça suffit! Au camion, immédiatement! Je tiens à la vie, laisse-moi conduire, tu vas nous dire. Laisse-moi, c'est moi qui conduis. Non, c'est moi. Attention, collègue, voilà les pompiers. Bah dis donc, on l'a échappé belle, hein, pas vrai? L'avantage avec les pompiers, c'est qu'on les entend arriver. Mais c'était pas leur voiture qu'on aurait vu passer? Attends, oh, j'ai compris, Pif veut jouer les héros. Je vois, monsieur Hercule veut la gloire pour lui tout seul. Dégagez-moi tout ça, vous voyez pas qu'on est pressé. Vous en faites pas, patron. Je vais faire le ménage, moi. Eh, hey, mais attention, c'est que ça part tout seul, ces machins-là. Mais sans blague. Ah bah oui, tiens, regardez. Oh, voleur, on m'a dépouillé. Patron, v'là le dépouillé. J'ai entendu, imbécile. On m'a ruiné. Oh, si vous saviez, oh, c'est affreux, 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 je suis ruiné. On m'a dépouillé. Oh, les bandits, ils ont allumé un feu devant la porte et une fois chez moi. Oh, les assassins, une fois chez moi. Oh, mes bijoux, mes beaux bijoux. Oh, le soleil de ma vie, mes petits chéris, mes amours, mes petits biquets. Ces petits biquets. Eh ben, ces petits chéris, ben, les voilà. Tenez, monsieur, il reste quelques petits biquets. Et puis, il y a 2 ou 3 petits roudoudous aussi. Non. Mes petits amours, vous voilà, papa vous retrouve. Mais qu'est-ce que je... Mais non, ah mais c'est pas... Mais oh, oh, il manque le plus beau, les bandits. Mais allez les chercher, vos petits biquets. Mais qui vous les a pris? Mais ceux qui ont mis le feu à ma porte, voyons. Bon, d'accord, mais qui? Comment ça, mais qui? Mais les pompiers, bien entendu. Quoi? Les pompiers, dites-vous? Des pompiers? Je crois que j'ai une idée. Oui, eh ben je crois que j'ai la même. Des pompiers? Au voleur! Arrêtez-les, au voleur! Arrêtez-les! Au voleur! Au voleur! La voiture? Où est passée la voiture? Il faudrait qu'on voit ça plus tard, Pif. Absolument, Hercule, absolument! Rattrapez-les, bien voyons, rattrapez-les. C'est eux qui ont... On s'en est bien tiré, hein, patron? Assez, oui. Oui. Mais au fait, patron, et les diamants? Sans problème, petit, sans problème, hein. Regarde là, notre fortune est faite à... Patron, vous êtes vraiment génial. Mais non, petit. C'est le métier. Oh, on l'a semé. Ouais. Oh, j'en peux plus, moi. J'ose pas imaginer la tête de Farfouille quand il va apprendre que tu t'es fait voler la voiture. Quoi? Bah ouais. Parce que c'est moi qui me suis fait voler la voiture maintenant, peut-être. Bien entendu. Qui d'autre aurait pu se la faire voler?
Mais enfin, mais toi, bien sûr. Moi, je suis que l'imbécile. Et c'est bien pour ça que tu t'es fait voler la voiture. Mais tu me quoi? Je ne me suis absolument pas fait voler la voiture. Mais si, absolument, c'est toi. Mais non, monsieur. Si, monsieur. Mais c'est ça le capot. Indominable. Hors de ma vue. Vaut rien. Incapable. Bon à rien.